Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. À quelques jours du nouvel an, la maison d'une habitante de l'Aventure ravagée par un incendie criminel aux petites heures ce matin. La jeune femme crie au règlement de compte. 5 individus activement recherchés. Noël ensanglanté pour un jeune habitant de Pointe-aux-Piments, agressé à l'arme blanche par un habitant de Triolet, le soupçonnant d'entretenir une relation extra-conjugale avec sa femme, arrêté le suspect et passé aux aveux. L'inspectorat sanitaire applique la tolérance zéro contre des commerçants, 48 kg de viande et du poisson mal conservé et des boissons gazeuses périmées saisies ces derniers jours. L'opération Crackdown s'intensifie en cette période de fin d'année. Et puis Wonder Woman 1984, un long métrage avec Gal Gadot en vedette à découvrir dans les salles de M-Ciné. Vina Bola est désemparée. À quelques jours du nouvel an, la maison de cette habitante de l'Aventure a été incendiée aux petites heures ce matin. Employée comme vigile, cette trentenaire allègue que 5 individus ont mis le feu à sa maison alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. Un règlement de compte serait le motif de cet incendie, affirme la jeune femme, car son époux, qui est en situation de handicap, avait eu un accrochage avec un des 5 suspects hier soir alors qu'il assistait aux funérailles d'un voisin. Mais il brûlait. Bon, mais c'est dans tout mon bon linge et tout mon nouveau linge. Et puis Lily matelas et à cône, machine à laver qui peut encore faire installation. Il brûlait net. Et puis il y a une télévision, il y a un wifi, internet et tout. Frisider une casserasse la peau. Tout qui se dans frise une zété. Un petit peu, je me réussis à trouver que je ne l'étais, mais un petit peu, je ne pas trouver même. La viande, poisson, je ne pas trouver du tout. Moi, je me tiens à 10 poissons coupés depuis avant, mais ça, je me trouvais. Mes poissons qui me tiennent, bon poisson, ça, je ne pas trouver du tout. Et puis, tout, il brille. Lola, je fais tout. Mon Michel, il y a du monde qui n'est pas capable de causer, mais il y a un penchant. J'espère que je peux gagner un petit aide avec eux. Je ne pas péter, je suis un grand qui veut. Je peux manger dans ma case, je peux dormir. Les suspects sont activement recherchés. C'est une agression au canif qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un habitant de Grande Pointe-aux-Piments de 29 ans s'est retrouvé à l'hôpital le jour de Noël. Cet homme de 29 ans a été agressé à l'arme blanche à son domicile par un habitant de Triolet. Ce dernier, âgé de 46 ans, le soupçonne d'entretenir une relation extra-conjugale avec son épouse. Le jeune homme a dû subir une intervention chirurgicale. Son état est jugé sérieux. Arrêté le quadragénaire et passé aux aveux lors de son interrogatoire. Il a été traduit devant la Bellan Women Court ce dimanche pour tentative de meurtre. La police a objecté à sa remise en liberté sous caution. Tout à fait autre chose à présent, les inspecteurs sanitaires veillent au grain en cette période de fin d'année. 48 kg de viande et du poisson mal conservé et des bouteilles de boissons gazeuses et plus de 15 litres de sauce de piment périmée saisies dans différents commerces, principalement dans la capitale. Au total, 42 contraventions ont été dressées et 16 prohibition orders ont été servies du 20 décembre à ce jour. 150 officiers sont déployés à travers Lille et les inspections vont s'intensifier, prévient Prem Boulaki, directeur de la Public Health and Food Safety Unit au ministère de la Santé. Nous finissons de faire 31 crackdown opérations à travers l'île Maurice. Nous finissons de faire 360 inspections. Et Mobile Inspecteur, il servit 270 improvement notices. Il servit 16 prohibition orders. Il prend 42 contraventions. Urban food preparation in inappropriate conditions. Nous finissons de faire ban saisie. Et le plus gros saisie, c'est 48 kg meat and fish. C'est ban la viande qui est vendue en duo, freezer, lit dans température ambiante. C'est ban la viande congélée. Il peut ban en duo. Il peut ban garde la chaîne deux fois. Il y a 2.4 kg expired food. 4.6 litres soft drink inexpiré. 15.7 kg chili sauce. Et ça craque dans l'opération là pour continuer jusqu'à la fin de l'année. D'après nos FUDA, c'est une contravention, c'est 2000 roupies plus 6 mois. Et prison, ça dépend magistrat. Les commerçants qui éteignent leur frigo encourent également des poursuites.
Et là, nous avons une complainte qui est dans certains supermarchés, hypermarchés, même la boutique, qui se fait 15 réfrigérateurs et le soir. Et ça, il y a une mauvaise pratique. Quand vous pétez au réfrigérateur, vous pouvez cacher la scène deux fois. Vous connaissez un produit frigorifié, les visins gardés dans une température moins 18 degrés ou bien plus. Mais quand vous pétez au freezer, vous pouvez occasionner une bactérie, une pathogène pour multiplier. Et les consommateurs, quand ils piastent ça, ils ne pas connaître, ils pédésent ça dans la case, et ils pourront le couiller ça, ils sont capables malades. Parce que vous connaissez l'OMS, d'après ce dernier rapport, il y a 600 millions d'immunes qui sont malades avec manger contaminé. Et là-dedans, 420 000 sont décédés. Et parmi ces décès-là, il y a 125 000 enfants qui ont moins de 5 ans. Je vous retrouve après la pause. Toujours de mauvaise humeur, vous ne trouvez pas de sommeil, voici la solution. Calachan Bedding World vous présente le 3D Pillow. Le plus confortable de tous les oreillers, design adapté à tous, ergonomique, il vous donne un maintien de la nuque irréprochable. Anti-allergénique, se lave à la machine, pratique, chez Calachan Bedding World, make your sleep better than ever. Téléphone 233 24 44. 466-88-89. Pour cette fin d'année, restez connectés. Tout plein d'amour à partager, tout ça grâce à Samsung. Hey. Cette année, faites plaisir à ceux que vous aimez grâce à la famille des smartphones Samsung. La famille, c'est sacré avec Samsung. Joyeux Noël et bonne année avec Samsung. Consécration de la nouvelle église de Sainte-Marie-Madeleine à Pointe-Sable ce dimanche après-midi. La cérémonie a été présidée par le cardinal Maurice Piat. Le chef de l'église catholique a appelé les paroissiens à mettre en pratique la parole de Dieu afin de faire de ce lieu une église vivante. Je suis bien content pour mon habitant Pointe-Sable. Je viens gagner notre église, je viens lire pour ça pendant longtemps. Et je viens faire un grand, grand travail avec beaucoup de patience. Et me félicite notre curé Père Pascal, me félicite l'ancien curé Père David. Et à Astère, pas juste un bâtiment qui nous a gagné, mais c'est une communauté vivante. C'est le du monde qui est présent dans la société, qui rend service, qui est solidaire, qui lutte pour la justice. Des halls de 3 mètres, des fers sur le côte, les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'ouest, du sud et du sud-est sont fortement déconseillées. Conséquence d'un courant d'air modéré et légèrement perturbé qui influence le temps local. Et le mercure a atteint les 32 degrés sur le littoral. Selon la station météo de Vakwa, des rafales atteignant 50 km par heure sont attendues aux endroits exposés. Et puis, divertissement pour terminer cette édition Wonder Woman 1984 à l'affiche dans les salles de M-Ciné. Le long métrage campé dans l'univers cinématographique de DC met en vedette Gal Gadot qui reprend son rôle de Diana Prince alias Wonder Woman. Après un premier épisode situé durant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman 1984 se déroulera, comme son titre l'indique, dans les années 1980. La super-héroïne va devoir affronter de nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.
What is it like to soar like a bird? I've always dreamt of flying. I'm Joshua Ramachia. I've been working at Huawei since I graduated from the University of Mauritius with a degree of Electronic and Communication Engineering. I wanted to do a career in something very innovative. With that specific degree, I will have the chance to be doing some works which requires a lot of site visits, a lot of site work. We were very happy when we graduated together. We got an email from our lecturers that there would be a presentation concerning an internship by Huawei. Finally, the internship started. This was very challenging because basically before there was not a lot of engineers who were female at Huawei. It was difficult because we had to like break the stereotype that was in that field. Once that stereotype was broken, there was nothing like, this is a boy, this is a girl, she should go there, he should go there. It was like, this person performs well, she's going over there. I can say that I've grown a lot as an individual. I developed different skills, like how to be adaptive to different situations and how to work under pressure, and also building trust and responsibilities among colleagues. So when I was in year two, I had the opportunity to do an internship at Air Mauritius. And since then, I have been dreaming to become a pilot. Now, I am actually living my dream by doing my pilot studies. It requires a lot of responsibility. You need to have a very good peace of mind. You need to be focused a lot. I will be very excited to fly the Boeing 777. Now that I'm in the aviation field, I can finally fulfill my lifelong dream, flying.